Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Encastrai pour terminer l'event. Et nous sommes sur le grand final. Alors. Eh ben non. Donc ouais, c'était bien la nullité. Et je pense pas que de toute façon ma Black Swan serait plus intéressante que la leur. Combien elle a de... Elle a 104. Ouais, je pense qu'elle est même mieux en termes d'application d'effet. 139 de vitesse. Je vous le dis, hein, ça va être leur Black Swan. Il y a de fortes chances que ça va être elle. Et je pense qu'on peut même faire un combo qui pourrait être sympa à tester. Moi, je peux pas. Ouais, parce que moi, j'ai 2007. J'ai un peu plus de def, la vitesse. J'ai essayé. C'est pas encore fou. Les traces, je pense que voilà. J'ai juste... en trace supplémentaire, mais je pense que le reste il sera mieux. Il y aura juste l'attaque, et après il manque l'attaque ici. Donc Black Swan forcément mieux, Kafka j'ai pas, donc l'histoire est réglée. Donc là c'est le moment où on peut essayer, et je pense que dans tous les cas là ça va être incroyable. Il y a des chances que ça se passe très très bien. On est sur une belle full nullité. On pourrait éventuellement avoir Bella. Donc ça... Ça dépend en fait. Ça peut être intéressant. Mais on va essayer parce que là on voit qu'il y a de la foudre à gogo. Donc... on va voir. I weep for the departed. It too shall fall. Destined for oblivion. Time to say bye. Boom. Beneath the waters lies an enemy. On va bientôt pouvoir réutiliser l'ultime d'Acheron. Voilà, parfait. Je pense qu'on peut quand même aller au moins à la vague 5. Ah Young King, normalement, ça devrait aller sans trop de soucis. Bah, en gros, là où ça va être parfait, c'est pour les extrêmes. Donc, vague 2, on va voir. Et vague 5. Vague 5, je pense que ça va quand même être compliqué. Mais j'espère que ça va aller. Vraiment, je l'espère. Je veux pas dire que Kafka est nul, c'est juste que j'aime pas trop au niveau de l'histoire, c'est tout. Mais ça reste un bon personnage, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, à terme, j'aimerais bien avoir tous les personnages. Même si pour le moment, je le vois, hein, ils veulent pas trop venir dans ma box, malheureusement. Je ne sais pourquoi. Ah, ça va faire mal. Acheron arrive là. I weep for the departed. It too shall fall. Oh, ça suffit quand même. Spend freely. Relax. Stand still. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I weep for the departed. It too shall fall. On fait quand même des coups crits, mais... Ouais, ça reste quand même compliqué. Parfait, Kafka va pouvoir taper. Boom.
tricks, all right. Ekeron retape. La vague finie. On a Yonking. Alors. Très cher Yonking, comment ça va être avec toi? Là, je pense que ça peut le faire. Hein. Time to say bye. Boom. Beneath the waters lies an endless abyss. Out of moves. Oh non. Allez, je l'ai. Je te déteste. Sache-le. C'est pas grave. C'est eux qui vont subir les dégâts. Et elle tape un jour. Parce que là, ça a pas trop l'air d'être le cas. Hein. Allez. C'est parti. I weep for the departed. It too shall fall. Bust? Or maybe I'll take it off. Watch your head. I weep for the departed. It too shall fall. Vague 5, je pense, oui, hein. Pas trop trop de problèmes, mais Yonking, on l'aura pas. Je pense pas. Hein. Il va manquer peu, mais... Après, je vais peut-être me tromper, hein, mais je pense qu'on l'aura pas. Ah. Ah, ouais, je pense que ça va être juste quand même. Hein. On fait des beaux dégâts, mais je pense qu'il va manquer. En tout cas, ça fait plaisir sur les attaques de durée. Les attaques de durée sont bien. Les petits malus. Alors, combien on fait là? Ah, on fait beaucoup trop, enfin vraiment trop peu de dégâts. Il manquera quelque chose. Hein. Il manquera pas énorme, mais il manque. Ah peut-être. Ah peut-être. Ah, ce serait beau. Oh, 4%. Non, il y a moyen. Mais franchement, ça se voit que ça peine quand même. Ouais, c'est parfait. Nickel. Blackson et Kafka, elles ont vraiment bien fait le taf. Franchement. C'est plutôt... pas mauvais. Le seul éventuellement du coup à revoir, c'est Brisegarde. D'ailleurs, on peut récupérer petite voie de la destinée. N'oubliez pas, on n'en a pas non plus des masses. Donc, profitez de les prendre. Si vous voulez monter tous les persos,
bah, serait quand même pas mauvais. Là, en vrai, franchement, je... Comme ça, je vois pas éventuellement mettre un autre perso feu. Parce que je suis même pas sûr qu'en mettant Argenti, ben, ça va faire quelque chose. En tout cas, sur les dégâts de feu, c'est pas dégueu. Erta. Pas sûr que ce soit incroyable, mais c'est pas spécialement mauvais. Et après, mais je crois qu'elle est en arène rituante. Hein. Rutilante plutôt. Ouais. Elle est en arène rutilante. Il y a de l'effet de rupture, mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment l'efficacité hein, sur Kafka. Donc, après, je pense que Kafka, elle a pas un si mauvais stuff quand même. Elle a de l'application. Et bon, elle a beaucoup d'applications de d'effets en fait. Attendez. Question d'effet. Ah non, c'est bon. Je suis quand même en stuff attaque. Et je crois que c'est juste que la vitesse, elle est pas élevée, je crois. C'était ça? Ouais. Faudrait juste que je monte la vitesse. Donc des petites bottes de vitesse avec des stats à peu près pareilles. Ça pourrait être cool. Si j'ai pas les PV, je m'en moque. Mais si j'ai tous les autres stats comme ça, ce serait incroyable. Mais malheureusement, c'est pas encore arrivé. Et si je prends ceux de Linglu, bon, après, je perds un petit... Ouais, je perds un petit peu de dégâts crypto-crit. Mais derrière, j'ai quand même... j'ai quand même ce qu'il faut. Et après, sur les gants... Enfin non, sur la tête, pardon. Sur la tête, je pense que je perds. Perdant sur la tête, ouais, parce qu'il me manquerait l'attaque. Ouais, faut voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon, c'est pas mauvais. Erta peut être améliorable. Hein. Et en plus, on voit que là, ça a bien amélioré les... L'attaque, elle était pas aussi élevée. Hein. C'est un délire. Juste en changeant le cône, bon. Je sais que Jinyuan, par contre, lui, il aura plus autant de dégâts. Mais j'aimerais un jour pouvoir avoir son cône à Jinyuan. C'est... Voilà, on perd quand même drastiquement. On perd quasiment 400 de dégâts. Bah écoutez les amis, Brisegard, je vous laisse essayer de chercher de votre côté une équipe. Mais je pense que moi, c'est parce qu'il me manque Wanmei. Parce que Wanmei ferait un gros apport sur l'effet de rupture. Donc du coup, ben sur Luciole, ça ferait beaucoup. Mais je pense que moi, c'est juste il me manque de quoi faire. Hein. Et après, ce serait pas si mal. Là, comme ça, je vois pas par essayer peut-être de baisser la défense. De mettre à la limite Pela à la place. Je suis même pas sûr que ce soit intéressant à faire. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur HSR. L'event, ça va, il était plutôt assez rapide quand même à faire. Quand vous avez au moins une team pour pouvoir le faire, au moins vous êtes tranquille. Déjà, si vous arrivez au moins vague 3, déjà pas mal. Au moins, vous avez les jades stellaires. D'ailleurs, en parlant de jade, on va un petit peu regarder si on peut pull. Ouais, on va dire que c'était du gâteau, parce que après ça ferait un petit peu trop violent. On a utilisé quelques persos de la CPI, mais. Ils vont nous donner quelque chose, hein? Voilà, des crédits.
Ok. Et je pense que moi, ça va terminer mon pass. Voilà. Niveau 70. Je dois encore faire, du coup, l'event d'origami. Donc, ça peut aller assez vite. On a... Oh. Est-ce que je tenterai pas de faire un petit peu quelques pièces, là? Mais pièces pour qui? Parce qu'en vrai, Acheron, je pourrais tenter. Mais c'est pas si mauvais. C'est juste dommage parce que j'ai quelques items avec de la def. C'est pas si mauvais. J'ai quand même largement de quoi. Jinyuan, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais bon, avoir une corde, ça, je pourrais éventuellement la faire plus tard. Après, le stuff comme ça marche sur lui. Donc, j'ai pu... Ouais, je gagne quand même pas loin de 20. Bah non, je gagne même plus que 20 en chance to crit. Faudrait que je puisse avoir la même chose plus ou moins, mais pour Arlan, et d'essayer de passer le 70 avec de l'arène rutilante. Faudrait voir ça. Mais en vrai, ouais, si je pourrais, ce serait pour Arlan. Parce que le pauvre, il lui en faut aussi. Hein. Mais tout, de toute façon, tous les personnages, j'essaye de voir pour les stuffs. Même si ce sera peut-être pas forcément toujours leur best stuff, mais bon. À terme, on va y arriver, les amis. À terme. Allez, c'est parti. J'ai encore quelques petites choses à faire cette semaine. Hein. Je pense que là... Parce que moi, j'ai enchaîné. Je vous mettrai aussi les vidéos en enchaînement. Donc, elles seront déjà mises. Mais... je vais me faire après le plaisir... d'aller attaquer l'univers parallèle. Bon, toujours pas. Et comme ça, on verra ce que ça pourra donner. Oh, let's go! Ah, franchement, en vrai, Arlan, moi, ça me dégoûte même pas de l'avoir, puisque c'est un personnage qu'il me faut. Donc, Arlan, c'est cool. En plus, on va bientôt pouvoir l'avoir dans les bannières. Donc moi, ça me va. Petit Arlan, là. Je crois qu'il est E3, du coup, là, maintenant. Impeccable. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir tous les persos 4 stars, déjà, au moins, en E6. On y approche, hein. Vraiment, il m'en reste 7. Ça approche doucement. Donc là, bah, il y a juste un seul roman qui n'est pas fait, c'est Brisegard. Je sais pas, je vais voir si vraiment le cœur y est, bah, je le finirai. Mais ce sera de mon côté. Hein. Si vous avez Roi de Mai, je pense qu'en vrai, ça devrait le faire sans trop de soucis. Là, c'est parfait, puisqu'on a, on a le royaume, ça va être terminé, impeccable. Donc il me restera plus que cet event à faire. Qui va pas être des moindres. Et sélection du personnage. Alors, du coup, là, je sais pas. Parce que... Mais je pense que je vais quand même prendre Lucas. Parce que il me semble pas que Lucas soit dans les bannières. Mais ouais, à terme, comme je dis, j'aimerais bien avoir tout le monde en E6. Donc, les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur Onkasarai. Et salut à tous!